Capsule numéro 58. À toi, mon amour. Ah oui, OK. I'm still with John Maxwell, Five Levels of Leadership. Yep. And we're still on level two. So remember that level two is permission. So from a position, you got to a permission. So people follow you because they like you, because you built a relationship. And now you want to lead them somewhere. Okay. So, but sometimes you would think that people follow you because you have a good relationship. So this is a real nice little test of the people in your team that you think that are following you and you're ready to go on level three. Okay. So let's see what you need to know. Okay. From each person, you should ask, what three non-business things you know about this person? What does this person value? What are this person's top three concerns? And what does this person want or hope for in life? Nothing to do with work. Nope. This is how you know that you can start to think of going level three with that person. Okay. That's it for me today. Et toi, mon petit Marie chérie? Moi, j'y vais avec la chose. Je vous recommande ce livre-là, c'est vraiment succulent. Et ce matin. Je confirme, il l'est. Ah oh, oui. Et ce matin, si j'avais à consulter mon moi à 18 ans ou mon moi à 80, de qui j'apprendrais le plus par rapport à la réalisation de ma vie? Bon, évidemment, mon moi de 80. Il y a une étude qui a été faite en 2012 par une dame et le livre, elle a fait un livre sur les 5 regrets principaux des gens qui sont à l'article de la mort. Donc, des gens qui ont vécu, des gens qui sont qui ont eu une vie remplie ou pas. Ils sont-ils tous vieux? Bien, comme sont à l'article de la mort, ça ne dit pas s'ils sont nécessairement vieux, mais c'est des gens... OK. Qu'est-ce qui leur reste au moment où ils voient la fin arriver? OK. OK. Les premiers, c'est... J'aurais aimé avoir une vie plus heureuse, mais se rendre compte que c'était un choix, le bonheur, leur choix, qu'ils ont fait ou pas. J'aurais aimé... avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Beaucoup de gens qui se retiennent. Alors, les gens à l'article de la mort se rendent compte qu'ils auraient eu avantage ou qu'ils auraient eu besoin d'exprimer leurs sentiments. Et que pour toutes sortes de raisons, ils ne l'ont pas fait. Le troisième, j'aurais aimé ça travailler moins dur. Donc, les gens se rendent compte qu'ils ont sacrifié beaucoup de leur vie avec leurs proches. Une bonne partie de leur vie avec leurs proches parce qu'ils ont travaillé fort à se construire une vie qu'ils voulaient heureuse avec leurs proches. Donc, il y a une ambiguïté là. Il y a un cercle vicieux là. C'est pas simple. Un autre, j'aurais aimé ça rester en contact avec mes amis. Alors, déjà, l'article de la mort se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas toujours fait les efforts qu'il fallait pour rester en contact avec leurs vrais amis. C'est quand même intéressant. L'amitié, ouais. L'amitié. Et le dernier qui est sorti comme étant le plus important, j'aurais voulu avoir le courage de vivre ma vraie vie à moi. Oh boy! Pas celle que les autres s'attendaient que je vive. Mm. Alors tout ça, ça dit finalement que il faut vivre une vie où on n'aura pas de regrets quand on va être à l'article de la mort. Ça peut faire sombre un peu, mais en même temps, ça nous projette en avant sur ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Mm. Pour avoir une vie pleine et satisfaisante. Mm. Et je finirai en disant que ce qu'il mentionne, c'est que c'est important d'honorer nos souhaits, nos désirs, nos aspirations et nos priorités qui sont liées à nos buts pour jamais avoir de regrets. C'est le message. C'est le message de le message des anciens et de ceux qui sont sur le point de passer à un autre. Alors vie. Vivons. Vivons pleinement. Pleinement. Tous les jours. Tous les jours. Oui. À demain.